Non, mais c'est pas sur le PC dès le début. Bah bah oui. C'est pas pris le bon V. Qu'est-ce que t'es con? Alors normalement c'est mauvais. On va pas comprendre ce que tu mets. Je sais pas, ce que tu mets, je sais pas. Ok, on trouve la taxe, la grosse taxe. C'est la vraie taxe, hein, c'est tout à fait normal de se la prendre. Oh, joli, on essaie de trouver un bon common grab là-dessus, mais ça passera pas. Je me demande vraiment comment SDSS joue dans ce match-up là, du coup, particulièrement. Vu que c'est un match-up, on peut pas jouer vraiment très lentement ou prendre son temps en whiff punish correctement, parce que si whiff punish pour Rio, bah en fait, il va juste te faire whiff punish sur un tour. Donner du waft. Et en plus de là, il y a un bon gros lead de Wario. Oh, le river snare qui malheureusement lit sur rien. Ok, là on cherche le neutral B, on trouvera rien. Oh, dommage, le landing upper est joli, mais on trouve rien derrière. On trouve beaucoup de petits hein, du côté de warming, mais rien de plus. Oh là là, ça c'est dommage. Hein. Arthur TC, ouais, on explose. Hein. Dommage. Oh. Je donne pas ce qu'il n'aura pas, mais cette B, dashback side B, il aime beaucoup le faire farming et ça marche bien. Ça compte beaucoup de trucs, hein, ça compte la guette de patate, ça compte la roll. Ça peut couvrir le drop jump aussi. Donc ouais, c'est vraiment une bonne option. Mais on a quand même un gros retard et là il y a un waft qui est bien chargé là. On est prêt à lâcher tout vu du côté de lui. On trouve un back air. Oh le joli zer. Oh bon. Juste paix. Juste ton pète. Ok, on pourrait sur TC du coup. Commence beaucoup mieux du côté de warming. Et là par contre, pour moi, c'est pour la taxe. Comment pour ça? Et c'est vrai, hein? C'est vrai. C'est atroce de passer de l'un à l'autre. De passer de Kura à Matrega, passer de Kura à Matrega, ça n'a aucun, ça n'a rien à voir. Ouais, je trouve pareil. Kura, il te pousse dans la gueule, c'est atroce. Oui, tu comprends. Oui, oui, ok. Oh bah oui, prends un petit match. Du coup, pour faire match en stream, de revivre des temps de galère. C'est ce que j'ai mis, donc oui. Ouais, il y a une vitesse, mais.
Gros backer, mais c'est pas... Ah, game beaucoup plus close, hein. Ça va faire une bonne minute là. Un nouveau se rapproche de son pot. Cool ref, et il y en a qu'une seule qui est perdue sur les 6. Il a dû camper mon game match alors que le mec ne jamais pas sur 0 par la. Oh, c'est plus, hein. Oui, ok. Non, mais lui, il a eu la position. On est presque even, on se rapproche du waft, hein, vraiment là. Petite trentaine de secondes et on y est. Même pas une vingtaine maintenant. Oh là, 68, on prend la taxe. Il n'y a pas vraiment de. Il ne doit pas t'envoyer des pros, ça peut être un peu compliqué. Non, il n'a pas arrêté de venir. Il a plein de tirs. Ouais, pour que si je les renvoie avec les deux têtes, ça va me faire un peu de risque. Ou presque, hein. Si c'est un peu plat qu'on ne refait pas, mais sur d'autres maps, il aurait fait 4 tapeurs. Ça va perdre. Le 2. Oh, le donner de Bruyot qui aurait pu faire très mal, mais il a pas son compte. Très bon donne B. Donne B into B pour lui péter warming. Game 1, le QSD, game 2, qui c'est. Attention, FT, attention à l'hashtag, attention au back air. Pas encore, mais bientôt. Heureusement que c'est grand. Ça tue par contre son edge. On pose la moto. Hop, ce qu'on repère. On voit la moto. Oh, l'angle est dégueulasse avec le GDCS. Oh, tellement de mugs sur ce shield. Ouais, c'est bon, c'est pas il y a le waft, par contre, un landing pair, et là, c'est fini. C'est ce qu'on veut, hein, j'ai l'impression, là. Tous ces jumps, là, un peu in, exactement, voilà. C'est ce qu'on veut. Si on veut se pair, on veut faire un gros waft dessus. Et là, et Warming, il le sait, Warming, il a l'habitude de compter de Wario, il a beaucoup compté du hit. Il est King, bien sûr. Et là, du coup, il veut vraiment pas le prendre. Mais beaucoup de hitbox. Oh, ça tue ça. Oh, et non, ça marche pas. Qui m'a dit que ça marchait? C'est DSF le personnage. Non, ok. Ok. Voilà. Une game plus lente. Beaucoup plus en faveur de warming que la première. C'est très très close, mais. Non, mais je me suis pas du tout. Non, mais je pas du pas perso de Gaulmont. C'est quoi? Perso de Gaulmont. Full Gaulmont. DF. Pas de plateforme, c'est pas si mal contre Game & Watch, j'ai l'impression. Ça va être beaucoup plus lent que Wario, hein, là. Utso. Oh oui. Nerf Air Back Air, très très joli. Et non, ça on peut pas punir. Mais enlever DF, c'est rentré par Lila. C'est mérité après. Enlever. Oh, à deux doigts de la mettre, la FAP là! Oh, smash! Non, il n'y a pas un show comme ça! Mais non, mais c'est trop! Non, la map de Megaman, non! Faudrait se faire foutre à un moment avec vous. Allez, une ligne longue, comme ça on est sur les.
Attends, un tournoi de Smash à 34. J'attends que ça. Ok, premier stock en fin prise après presque 2 minutes de match. Wormin n'arrivait pas à trouver, se confirme. Et Niggy t'a gratté. Bien joué de mer, dommage. Ok, ok, on a plus de saut. Il y a des poupées enfermées dans un poupée, un morceau. C'est juste dans le jeu. Non, c'est juste que tu ressens plus. Putain, j'ai bacard. Enfin, encore une fois, on met des très très grosses phases du côté de Warming, mais on n'a pas trouvé le truc. Hein. Bah, je suis c'est vraiment une autre jeu medicine box et puis derrière on va essayer de vous punir pour faire une un kill. Ah demain. Et là. Pour enfin de peur hein. Ni là, par pitié. Merci. Ok, on a un petit lead du côté de Warming. Gamer ça peut tuer à peu près tout le temps. Hein, donc, Non, c'est pas le LX. Ah, enfin, on va venir prendre ce type. Waouh! Ok, ok. Ah, moi. Mon temps combo hein, que tout à l'heure. Ah, par contre, quand on saute, c'est très bien qu'on avait arrêté tout à l'heure. Bon avantage, hein, ce compte est important, c'est énorme. Allez, on traîne bien sûr avec. De toute façon, c'est pas drôle. On trouve le nerf. Ok, on trouve un très bon lead encore une fois, hein. Vraiment très similaire à la game 1 du coup. On tourne un bon lead du côté de Lili. Maintenant il faut consolider, il faut gratter et il faut attendre le bref hein, dans les plans. Du côté de Warming, il va falloir après se poser sur terre sans se gratter. Trouver un kill tôt, trouver un nerf de nommé. Un très joli backer. Alors il est très doucement. Et donc du coup donner très tôt le. Très tôt d'un point de vue avancement de la game machin. Le waft pour voir une limite. Oh, okay. Là-dessus. Ah dommage. Et là vraiment
que la game 1, hein. on a vraiment 3 stocks du côté de Lee, plus stock du côté de Warming, là maintenant pour remonter ça va être pénifié. Il y a le Wash qui va bientôt être là, il va être là dans 3 secondes. Il est là, et là maintenant, nerf 1, nerf 2, blending pair, et c'est fini, là vraiment, en plus on est fou grave, et là, bah, et oui, bien sûr. Oh, c'est mon attaque. En vrai, j'ai l'impression que c'est dur là, pour en fait, c'est très très dur pour Warming. C'est bon, j'ai réparé ma manette. Mm-hmm. J'ai tapé dessus. Écoute, j'ai joué pendant une heure, j'ai pas eu de soucis. Et maintenant, depuis tout de suite, du coup ? Ouais, j'ai eu le souci avant le tournoi, donc ça m'a un peu fait chier. J'avais une manette qui n'était pas la mienne. Oui. Donc faire les nerf loops sans une manette que tu connais, c'est chiant. C'est moi. Juste jouer avec mes pas de base, c'est chiant. J'ai réussi aucun nerf loop, j'ai trop le seum. Moi qui mets 80% avec un club habituellement. Ça va, t'es contente ce stream? Ouais, il y a quelques petits soucis, mais c'est pas très très grave. Rien d'irréparable. Rien d'irréparable, non, du coup. Je suis fier de toi, parce que vraiment, le stream est bien, et je trouve que ça donne enfin de la personnalité à SVB. Oui. Si on avait un stream un peu basique avant. Après, pour le coup, j'ai regardé en France, il y a beaucoup de streams basiques, je trouve. Oui, mais. C'est sympa. Je trouve ça bien qu'on se démarque comme ça. En plus, Besançon commence à devenir une petite scène. Avec BSK et nous, on a quand même des films, on a quand même un joueur fus qui est venu. Hein. En effet. Il est toujours dans le tournoi d'ailleurs. Ah non, il est hot par des geeks, ouais. Ah, trop le seum. Faut que je fasse mon Vito Ganon pour une boisson. Le multiplayer, il paye une boisson à l'autre. Donc tu veux littéralement offrir une boisson. Ah, mais j'aime bien faire un XBI. Merci. Mais Granest te félicite pour le stream, il a une jolie perphobia. Moi j'ai pas vu. T'as pas bien, c'est pas qui l'a fait. Bah oui. C'est toi qui avais le PC pendant un mois presque. Ah, moi tu me donnes le PC et j'installe World of Warcraft dessus. Aïe aïe aïe. Je vais bosser demain, allez. Parce que je bosse à 8h demain, je sors de 10h de boulot aujourd'hui. Ah ça va, dommage hein. Ah mais je suis vraiment arrivé avec les conditions pour faire un tournoi. Ah bah là, généralement ça buff hein. Ah non, ça va pas buff hein. Ce qui est chaud. Ah j'ai battu le club d'ailleurs quoi, mais... Avec mon Pikachu. Mais après Vénès quoi. Ouais, la Ness, j'ai envie de chialer. Oh. Ouais. Le match-up est horrible pour le DSS, mais il arrive à Warming. Ouais, bah Warming, c'est vraiment plus costaud qu'avant. Oui. Je me souviens qu'avant, mon Kazuya a battu le DSS. Ouais. Bah ouais, il y a eu. Mon Joker a battu le DSS. Ouais, ton Joker, il paye speak. Il fait trop de mon Joker contre le DSS. C'est vrai. Il y a stack le bash, oui, il est vachement stack. Ouais. Déjà, on a Yufizer qui revient. Le top 12 était extrêmement stack, pas trop facile. Hein. Je. Déjà, Yufizer, on arrive à ça. Le front, comment je vais dire. On a Payon Bleu qui est venu, ça c'est une poule, j'adore quand il vient à deux enfants. Oui. C'est vraiment un joueur très très gentil. Donc, de base, il venait juste pour les. Il est venu pour le super bash. Et pour un autre bash, je crois aussi. Ouais, pour l'autre gros bash qu'on avait fait. Ouais. Il était peut-être plus stack que le super bash d'ailleurs. Parce qu'on a eu Amine au bash, pas au super bash. C'est vrai. Là, on a eu Tarmo au super bash. Ou deux, je crois. Je sais pas s'il était. Je sais juste qu'il a gagné le super bash, Tarmo. Oui.
Il a cassé une longue série Il était pas venu, t'as raison, il était pas venu au... Ouais. Je savais qu'il avait battu Tom Berry, il avait pop off deux avant. Tom Berry qui est top 15 pété monde d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça. C'était une folie. Oh, j'avais pas vu qu'on était après pété, il a vraiment zéro. Il a zéro de vente perso. Genre, ouais, tout le monde le drop. Bien, dommage, parce que perso est vraiment super cool. Ouais, mais là, il est faux. Hein. Il est un peu pas fort dans la méta. As-tu ça? Toonmik est meilleur dans la méta que pété, c'est ça le problème. Oui, oui. C'était bien dire, hein. C'est pas très bon, je pense.